tous. Bon, alors aujourd'hui, ce que je vous propose, étant donné qu'on a eu 60 mm de pluie encore depuis 8 jours et que les derniers semis ils ont été un petit peu foirés, donc pas de travaux dans les champs, ce que je vous propose, c'est un petit tour de plaine pour faire le point un petit peu du rendu des cultures, des engrais verts, des terres aussi en général, à l'approche de l'hiver, voir un petit peu comment ça se comporte. Voilà, allez, on est parti. Ensemble, c'est parcelle à côté du bâtiment qui est destinée en culture de printemps et où il y a l'engrais vert de semer, c'est-à-dire un mélange moutarde blanche et radis, moutarde blanche radis, 80% de moutarde blanche, 20% de radis, à laquelle j'avais essayé de mettre de l'avoine mais ça n'avait pas fonctionné, souvenez-vous, cet été avec le Delimbe. Donc je suis en train d'y travailler pour l'année prochaine avec peut-être l'histoire de mettre un vicon entraîné par une turbine hydraulique à l'avant du tracteur et derrière le Delimbe sur un vibro des chômeurs avec les petites graines. Donc les grosses graines seraient devant dans le vicon et les petites graines à l'arrière. Et bon, ça c'est encore en cours de réflexion et on va y travailler cet hiver. Bon, alors ici, développement, comme vous pouvez le voir derrière, c'est très très moyen. C'est plutôt un demi-échec, c'est pas un échec total, mais c'est un demi-échec, je dirais. Alors pourquoi ? La méthode d'implantation des chômeurs 3 mètres à virer, ça marche pas. Il est bien joli, il est bien là pour dépanner tout ça, mais c'est plus au goût du jour et pour ce que je veux faire. Donc ça, c'est un des chômeurs à larguer pour passer sur autre chose. Deuxième chose, date d'implantation beaucoup trop tard. Mais avec la pluie des 15 derniers jours d'août, on n'a pas su faire les épandages, tout s'est décalé et on a semé ça plutôt fin septembre avant les ensilages et c'était beaucoup trop tard. Et troisième chose qui explique un petit peu ce demi-échec entre guillemets, c'est le fait qu'on a eu beaucoup d'eau. Derrière, il a refait très sec les trois premières semaines de septembre et ça a été implanté dans le sec. Donc ce qui fait que tout ce qui est à peu près bien développé là, c'est que ça a levé tout de suite, c'était bien enfoui. Par contre, les graines qui se sont retrouvées dans le sec, elles ont peiné à lever et elles lèvent depuis seulement une quinzaine de jours avec le retour de la pluie et un petit peu de chaleur. Donc ce qui fait que c'est pas merveilleux. Mais bon, ça ira quand même. Ici, logiquement, ça doit être un maïs grain au printemps. Je pense qu'il y aura ici les deux parcelles autour du bâtiment maïs grain. C'est encore en réflexion selon ce qu'on va faire exactement. Mais voilà. Bon. Autre chose dans cette parcelle, oui, le voilà, mon fameux poteau électrique.
Souvenez-vous, la vidéo, vous pouvez aller la revoir, la vidéo où je disais qu'il y a une ligne de 20 000 volts qui traversait mon champ et qui était trop basse. Alors cette ligne, elle est toujours là, mais on m'a mis un couteau à 54 mètres de la limite du voisin. Pourquoi 54 mètres? C'est moi qui l'ai demandé. Pour avoir un multiple de 27 mètres, étant donné qu'à partir de cette année, je vais pulvériser en 27 mètres. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard durant l'hiver où je vous ferai une petite vidéo explicative des changements d'organisation de travail que je vais avoir, puisque le pulvée et le distributeur d'engrais vont être deux outils que je vais avoir en commun, avec un tracteur en commun dessus, avec un collègue avec qui on va faire ces travaux-là, donc en commun, tout simplement. Donc voilà, 54 mètres, c'était 27, 54 ou 81, des multiples de 27. Eux, ils ont jugé bon de le mettre à 54 mètres, pardon, parce que c'était plus judicieux pour eux par rapport à l'étendue qu'il y a là et là. Donc ça s'est pas trop mal passé, ils n'ont pas trop abîmé la parcelle. Je vais être indemnisé de tout ce qu'ils ont abîmé dans la parcelle, c'est-à-dire tassement de sol, etc. J'attends encore des retours, mais je vais être indemnisé. Alors combien, je sais pas, ça va pas être des milliers, des cents, mais bon. Je pense que c'est un petit peu logique, étant donné qu'en plus on me colle un poteau au milieu de mon champ. Donc voilà. Pour cette parcelle-ci, c'est un petit peu tout ce qu'on peut dire. Voilà, à suivre. Ce sera détruit certainement avec un coup de déchaumeur à disque durant l'hiver. Après, on verra un petit peu ce qu'on y fait suite à ça. Bon, la structure est pas mauvaise du tout, je vais vous faire voir ça. On pouvait voir que. Ma méthode de travail, donc là c'est du TCS. Tous les débris, enfin une majorité des débris sont juste mélangés dans les 10 premiers centimètres. On a un peu de repousse d'orge, mais rien de méchant parce qu'elle va crever. Et les débris, le fumier, vous voyez, simplement le fumier, bah, il est là, il est en train de se décomposer. Il y a pas mal de bestioles, vous pouvez peut-être pas les voir à l'œil nu, mais il y a pas mal de bestioles qui sont en train de le décomposer. Et qui concerne la structure. Regardez un peu, alors que c'est une parcelle, c'est argilo-calcaire de base. Hein. Tout le haut ici, c'est argilo-calcaire et on a une structure. On n'a pas de peine du tout à travailler ce terrain. Et voilà, regardez mon copain, ver de terre, mon fidèle allié de travail du sol. Voilà, on les retrouve. On est en train de repeupler tout ça. La paille, elle se dégrade vachement bien. C'est vraiment hyper facile, je suis sûr qu'on prend. Je vous le ferai dans une prochaine vidéo. On prend une bêche et je pense qu'on enfonce une bêche les doigts dans le nez. Donc au final, on est pas mal. On a une bonne structure grumeleuse. Alors, grumeleuse, c'est-à-dire que tous les agrégats là, se collent ensemble, mais à la fois, malgré qu'il est plus. Je sais pas, on est à 500 litres d'eau au mètre carré là, depuis le mois d'août, certainement. Malgré tout, c'est une terre qui filtre. Et ça se passe plutôt pas mal du tout. Voilà. Bon, j'étais à côté, alors du coup, petit clin d'œil aux moutons. On y jette un petit coup d'œil, voir si tout se passe bien. On est en fin de saison d'herbage. L'an dernier, ils étaient même rentrés déjà depuis 8 jours, parce qu'on avait vraiment eu du mauvais temps, je me souviens à cette période. Là, elles vont encore rester une quinzaine de jours dehors, ce qui nous annonce un peu meilleur. Et puis après, on avisera de les rentrer à la mi-novembre, et puis de les hiverner jusqu'au printemps. Donc voilà, donc juste petit clin d'œil en passant, je les visite un petit coup, voir tout se passe bien, vu que j'étais à côté. Et également vous dire que bah, pour tous ceux qui me réclament des vidéos sur l'élevage de moutons, vous allez bientôt être servi parce que durant la saison d'hivernage, je pourrais vous en faire un petit paquet avec les agnelages, tout ce qui est la tonte, parce que la tonte n'a pas été faite, on va le faire à la rentrée. Et l'alimentation, le paillage, enfin, je vous ferai tout un tas de petites vidéos sur les moutons durant l'hiver. Voilà, étant donné qu'on n'ira pas trop dans les champs, il n'y aura pas trop de travaux, on va se préoccuper beaucoup de l'élevage. C'est un peu comme ça que chez nous que ça se passe. Et les grosses périodes de travaux du mois de février-mars jusque novembre, et après bah, c'est un petit peu l'hivernage avec l'élevage. Voilà, allez, on continue notre tour de plaine, on va se pencher sur les parcelles de blé maintenant.